Bonjour les louloutes, bienvenue les nouvelles, les anciennes. Aujourd'hui, je partage avec vous les dernières toiles pour la fête des mères. Donc là, je vais vous faire une couleur bleu-violet. Voilà. Donc c'est parti. Je vais prendre le papier découpage fleuri comme ça. Et bleu, violet, blanc. Donc, je vais faire la découpe avec le pochoir Super Maman. Alors, je vais prendre cette couleur bleu, violet et je vais peindre. Donc, moi, j'ai fait des petits triangles sur les quatre côtés de la toile à vue d'œil. Vous pouvez mesurer, voilà, parce que j'ai posé les cœurs au milieu, au centre, voilà, et donc du coup j'ai centré un petit peu le quatre triangles. Voilà, donc la peinture est parti. Là, j'ai un petit pinceau très fin pour ne pas déborder. Voyez. Donc, voici les petits cœurs que j'ai découpés. C'est cette forme-là. Ces motifs-là, pardon. Donc, c'est parti. Je vais le mettre au centre et je vais le coller. Je vais prendre la colle découpage naturel, les gros pinceaux, et c'est parti pour un joli petit cadeau encore violet, bleu, blanc pour une maman. Donc là, je fais l'astuce où je garde l'objet sur la toile et que je mets la colle en dessous. Donc voici la première décoration. Et maintenant, on va faire les contours des petits coins. Voilà, donc j'ai un ruban à... Voilà. Décotape, masking tape, suivant comment vous l'avez entendu. Et là, je vais coller les quatre contours avec ces petits masking tape, très joli, bleu violet, bleu nuit, avec des petites étoiles. Voilà. Donc, je vais utiliser la colle forte, passe-partout, et c'est parti pour voilà, et je vais juste poser comme ça le long du recoin. Voici, et maintenant je vais coller des petites fleurs transparentes que j'ai pour faire toujours assortir à la petite toile. Voilà, donc j'utilise les pistolets à colle. Voilà. Donc, je vous ai toujours dit, les pistolets à colle, quand vous avez des petites perles ou des petites choses un peu minuscules à coller, il vaut mieux vraiment poser la colle d'abord et amener, déposer les petites perles juste après. Et maintenant, je vais utiliser pour coller encore de petites strass assorties. Donc, je prends la petite colle forte, passe-partout. Et là, par petites noisettes vraiment minuscules, regardez bien. Voilà. Et là, je l'attrape avec ma passe à épiler.
et je pose comme ça. Vous voyez le petit strass qui est là, tendinus. Voilà, donc je vais en faire plusieurs, 3 ou 4, comme ça, ce sera très joli. Et maintenant, la dernière petite touche, voilà, je mets la colle bombe et je vais mettre les petites paillettes pour faire ces petits côtés fêtes que j'adore. Oh, c'est la fête des mamas. C'est ça, c'est mignon. Et voilà. J'enlève un petit peu le surplus. Donc plein de petites paillettes, toujours un peu assorties, quand vous pouvez. Ou des couleurs qui se marient bien aussi, c'est pas mal. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je pense que, voilà, j'essaye de faire toujours des petites couleurs qui vont ensemble, qui se marient bien. Voilà, la jolie petite toile mignonne. Eh bien, écoutez, je pense que c'est la première fois que je commence à vous faire du bleu. J'ai essayé de réserver le bleu pour les papas et pour les anniversaires. Mais ça y est, c'est parti. Donc, si elle vous plaît, cette petite toile fleurie, eh bien, partagez, likez, et puis pour suivre les nouveautés, toutes les vidéos qui arrivent sur le bien-être, sur les animaux, sur la santé, likez et abonnez-vous. L'astucieuse maman éveille et merveille avec ses merveilles créations. Profitez-en!